Salut, c'est Shaman de Ludovox. Donc nous sommes sur le stand de Cocktail Games. Je suis avec Mike. Bonjour Mike, comment vas-tu? Très bien, très bien. C'est chouette, on voit plein de joueurs et tout, c'est cool. Super, alors du coup on est là ici pour parler de Keep Cool. Donc c'est quoi, c'est Restons Calme, c'est ça? C'est ça, c'est parce que c'est un jeu où on va un petit peu perdre son calme. Donc on répète, on dit Keep Cool, restez calme. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà pour combien de joueurs, combien de temps, éventuellement un petit mot sur les auteurs? Ouais, alors les auteurs, leur nom est sur la boîte. Dimitri Ferrier et Grégory Bruvier, voilà, qui sont belges et qui du coup nous ont fait ce jeu, qui est un jeu original parce que ça renouvelle le faire deviner un mot à partir d'un mot et en rajoutant une petite dose de stress, mais du stress un peu positif, c'est-à-dire c'est du stress qu'on aime bien avoir, on est un petit peu perdu. Mais on essaye de pas trop perdre la face. D'accord. Alors et du coup ouais, c'est pour combien de joueurs De 3 à 8. Du coup voilà, c'est, alors, 3 ça marche, mais c'est quand même le jeu où c'est plus sympa à plusieurs, comme beaucoup. Donc et jusqu'à 8 où ça commence à être un petit peu le bazar. Ouais. Et donc je vois 13 ans, 20 minutes, c'est ça? 13 ans, parce que mine de rien, il y a des associations d'idées, faut pas trop perdre le fil. Donc voilà, donc pas trop pour les très très jeunes. Et puis voilà, c'était quoi le deuxième point? Non, c'est tout, c'est 20 minutes, un jeu relativement... 20 minutes, oui, c'est ça, c'est du jeu plutôt rapide. De toute façon, c'est un peu la ligne éditoriale globale hein, chez Cocktail. C'est jusqu'à la demi-heure à peu près le jeu. Donc là, c'est du un quart d'heure, 20 minutes... Le but, c'est plutôt d'enchaîner les parties quand on est bien dans l'ambiance, plutôt que d'avoir une partie un peu longue. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, quoi, les objectifs du jeu, et puis ce que ça va donner à notre tour de jeu? Bien sûr. La règle est super simple. C'est en jouant qu'on perd un peu pied, mais la règle est super simple. Il n'y a que des cartes avec plein de mots dessus, 2400 mots. Sur chacune des cartes? Sur chacune des cartes. Donc là, il y en a plein, elles sont pas toutes là, hein, y en a encore plein dans la boîte. On va en distribuer 4 à chaque joueur. Hop, 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 voilà. Et il y a un buzzer au centre de la table. On rappelle que keep cool, parce qu'il faut rester calme. Sur les cartes, on a donc plein de mots, mais en vrai, dans une partie, on va jouer avec un seul mot par carte. Si on a plein, c'est justement pour être sûr qu'on ne les connaisse pas par cœur, que ça renouvelle les parties. Donc il y a des mots de tous les horizons possibles et imaginables. Et il y en a 3 un peu plus compliqués pour les gens un petit peu experts. Donc là, par exemple, on va jouer... donc il y a une face rouge, une face bleue. Et à chaque partie, on va dire on va jouer avec la face bleue et le mot vert, par exemple. Et donc là, on a 3 mots ici qui sont vous, chef et... honte. Et pour le joueur, à cette partie-là, c'est ces 3 mots-là qu'il va utiliser. On a tous nos cartes en main. Et notre tour est super simple. On dit un mot et on appuie sur le buzzer. Alors ça paraît simple comme ça. Mais c'est quoi le mot qu'on va dire? Alors, le mot qu'on va dire, c'est... Il y a 2 possibilités. Soit ça va être un indice pour le joueur suivant. Car notre but, c'est de faire deviner le mot qu'on a en main. Donc par exemple, si j'ai goût, bah, je vais peut-être dire sens, ou toucher, ou odorat, voilà. Ou peut-être encore des trucs sûrement plus pertinents. Et j'appuie sur le buzzer. Le buzzer, il va chronométrer le temps du joueur suivant, c'est-à-dire qu'au bout de 8 secondes, il va sonner. Donc il fait une sonnerie d'alarme, un peu stressante. Et ces 8 secondes, c'est le temps du joueur suivant pour jouer son tour, c'est-à-dire dire un mot, et appuyer sur le buzzer. Ce joueur suivant, il dit un mot, ça va être soit la réponse à mon mot, soit un indice pour le joueur suivant, parce que lui aussi doit faire deviner ses mots. C'est là où ça va se compliquer. Sauf que comme il dit qu'un mot, il dit pas ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est en train d'essayer de trouver ou est-ce qu'il donne un indice? Exactement. Donc voilà, alors du coup, alors au début on devine un petit peu, parce que si je dis choucroute et que tu dis planche à voile, on se doute que tu donnes plutôt un indice au suivant. Mais au bout d'un moment, c'est plus aussi évident. Parce que si je vois que mon mot, tu le trouves pas trop,
je vais peut-être du coup prendre un autre en me disant celui-là il a l'air plus facile. Ou alors toi, tu as enregistré les 2-3 mots que j'ai dit au tour d'avant, mais tu donnais des indices au suivant, puis du coup tu vas dire ah finalement c'est ça, donc tu vas revenir. Le joueur suivant n'a pas forcément suivi, et c'est là où il faut commencer à rester calme. Donc tout est là, le tour est super simple. On dit un mot, on appuie sur le buzzer. Le buzzer, c'est juste pour mettre la pression au joueur suivant. Et on commence un petit peu à être dans un flottement de est-ce qu'on me dit un mot, un indice, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il a dit le tour d'avant. Et c'est là où on commence un petit peu à se perdre. Et c'est là tout le sel du jeu, c'est qu'on est un petit peu perdu. À quel moment tu marques des points? Qu'est-ce qui se passe si jamais les 8 secondes sont atteintes? Est-ce que tu peux t'éliminer ou... Alors non, jamais éliminer. Il faut continuer à jouer. Non, si le buzzer sonne dans les 8 secondes, juste on passe son tour. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas, on attend un petit peu de chercher. Bon, on ne l'a pas trouvé. On appuie sur le buzzer, ça lance le tour du joueur suivant. Et c'est tout. Quand on a nos 4 cartes en main, dès que nos 4 cartes ont été trouvées, dès qu'un mot a été trouvé, on va poser la carte entre le joueur suivant et moi. Si je trouve le mot du joueur précédent, on va mettre là. Et quand j'ai plus de cartes, on va compter les points. Les points, c'est facile, c'est le nombre de cartes à ma gauche et le nombre de cartes à ma droite. Celui qui a le plus de cartes à sa gauche et à sa droite, il a gagné la manche et on refait une manche. Donc en fait, ouais, voilà, pour gagner, il faut à la fois que tu trouves bien ce que te dit le précédent et que tu arrives à faire deviner au suivant. Et c'est là que tu mets le max de points. Exactement. Il faut équilibrer un peu les deux. On peut essayer de précipiter l'un ou l'autre en fonction des autres joueurs, ou alors essayer d'en avoir des deux côtés si on voit qu'on est un peu à la traîne. Ok, bon bah écoute, super, c'est parfaitement clair je pense. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose sur le jeu, ou est-ce qu'il marche bien ici à Cannes, vous le présentez, vous faites jouer un peu? Alors il marche plutôt bien. Il est assez déstabilisant, ce qui fait que les premières parties sont assez marrantes parce que il y a une petite phase déstabilisée, il y a une phase où on commence à dire ah, j'ai commencé à choper le truc. Donc il est assez étonnant par rapport à d'autres jeux qui sont évidents dès le début. Et du coup c'est plutôt plaisant. Et il est un petit peu difficile à jouer en salon parce qu'on n'entend pas beaucoup le buzzer, et pour la concentration c'est un peu plus difficile. Donc ça rajoute encore un petit peu de challenge. Donc il faut rester encore plus cool. Ok, bah écoute, merci Mike pour cette présentation, et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.